Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de PlayStation Inside. Je m'appelle Brian. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la licence Nier avec ce premier épisode d'une série de 3 qui lui seront entièrement dédiées. Cela peut paraître évident, mais il est important de rappeler que le jeu vidéo est un univers riche qui propose autant d'expériences qu'il y a de joueurs. Certains recherchent des expériences graphiques éclatantes, portées par des histoires grandiloquentes, quand d'autres s'intéressent principalement au gameplay et aux mécaniques de game design. Dans cet océan créatif, certains développeurs tentent d'apporter des réflexions philosophiques en exploitant le caractère ludique de leur discipline. Hideo Kojima, célèbre créateur de la saga Metal Gear Solid et, plus récemment, de Death Stranding, est le plus connu d'entre eux. Alimenté par sa culture filmique et littéraire, les œuvres de Hideo Kojima déstabilisent le joueur. Elles le poussent à s'investir émotionnellement et mentalement. Il cherche en permanence à questionner notre rapport au jeu. Beaucoup plus discret, mais non moins talentueux, le nébuleux Taro Yoko a fait du ludisme, comme vecteur de questions métaphysiques et philosophiques, son principal cheval de bataille. Cette personnalité interroge et fascine depuis que les projecteurs se sont braqués sur lui. C'est la licence Nier, plus particulièrement l'opus Nier Automata sorti en 2017, qui capte l'attention du public et permet à son créateur de se faire connaître en dehors des petits cercles fermés d'adorateurs d'obscurs jeux vidéo japonais. C'est une licence assez jeune dans le paysage vidéoludique, mais qui, de par son prestige et son aura, donne l'impression d'être présente depuis toujours. Ce sentiment est trompeur, même si la licence puise ses racines dans un jeu PlayStation 2 sorti en 2003. Ceux qui, parmi vous, auront bien fait leur leçon, savent qu'il s'agit de Drakengard, le premier jeu façonné par l'imaginaire de Taro Yoko. Bien qu'imparfait, ce titre, qui a donné naissance à deux suites tout aussi torturées et bancales, est déjà très représentatif des obsessions créatives de Taro Yoko. Les questionnements quant à la violence sont déjà présents, ainsi que leur imbrication dans diverses mécaniques de gameplay. Il en est de même pour le rapport très particulier qu'entretient le créateur japonais avec la notion de fin dans un jeu vidéo. Notoirement reclus, antisocial ambigu qui ne retire jamais son masque lors de ses apparitions filmées, ainsi qu'un brin provocateur pour être honnête, Taro Yoko a démontré avec son travail qu'un jeu pouvait traiter de thématiques complexes sans oublier d'être amusant. L'élément clé de son succès est sa conviction en l'efficacité des codes du jeu vidéo pour raconter des choses que nous ne pourrions voir dans aucun autre média. Fatigué de voir les jeux vidéo essayer d'imiter le cinéma, il veut plus. Le ludisme est sa boussole. Mais résumer Nier à une œuvre ludique serait beaucoup trop simple. Le créateur japonais est fasciné par l'humanité et Nier en est la représentation. À travers cette œuvre, Taro Yoko nous interroge sur la nature de l'humanité et lui permet d'exorciser ses nombreuses interrogations sur notre rapport à l'amour, à la violence et à l'existence. Nous avons là une anthologie démiurge qui se penche sur tout ce qui fait de nous des êtres humains. Il nous aborde sous toutes nos facettes, dans notre grandeur et dans notre décadence.
C'est au début de l'année 2006 que Taro Yoko commence à réfléchir à son prochain jeu. Le dernier projet auquel il a participé, c'est Drakengard 2, qui est sorti moins d'un an auparavant. Le titre a généré beaucoup de frustration chez lui, notamment à cause de nombreuses divergences artistiques entre lui et le reste des équipes du studio Cavia. Du coup, ce bon vieux Taro, il veut vite passer à autre chose et se remettre en selle. À cette époque, nous sommes à l'aube de la 7ème génération des consoles de salon, qui a démarré avec la sortie de la Xbox 360 en novembre 2005. Si les premières ébauches évoquent un troisième opus de la série Drakengard pour la PlayStation 2, le projet change rapidement d'orientation. Avec l'arrivée de la troisième console de Sony, Taro Yoko comprend qu'il ne trouvera aucun soutien pour le développement d'un projet destiné à une console vouée à mourir dans peu de temps. Le producteur, Takamasa Shiba, avec qui il a déjà travaillé par le passé, l'invite donc à revoir sa copie afin de lancer la production d'un jeu digne de la puissance des nouvelles machines. Après plusieurs semaines de réflexion, le fantasque créateur japonais se rend compte que ses premiers jets ne peuvent pas du tout s'inscrire dans la lignée des deux premiers épisodes de Drakengard. Il a désormais d'autres envies artistiques. Taro Yoko n'est plus le même homme, il veut laisser de côté la noirceur et la violence absolue de ses précédents jeux pour se diriger vers quelque chose d'un peu plus lumineux, même s'il souhaite pouvoir continuer à sonder l'âme humaine. Du coup, le projet, qui devait porter le nom de Drakengard 3, est renommé Nier en interne. Les premiers concepts de cette nouvelle licence font mention d'une grande bataille qui se déroule dans un monde fortement inspiré par les contes européens tels ceux des frères Grimm, de Charles Perrault et de Carlo Collodi. Square Enix fait part de son intérêt, mais demande à Taro Yoko d'envisager une autre approche. Malheureusement pour notre jeune développeur, pour qui rien ne sera simple, l'éditeur japonais dispose déjà dans son portefeuille d'une licence qui exploite les contes pour enfants. Il s'agit bien évidemment de Kingdom Hearts. La piste du merveilleux est donc abandonnée pour se tourner vers la création d'un monde fantaisiste et mature, mais l'idée de produire un récit plus chaleureux est conservée. Du projet initial, il ne reste que quelques traces, tels les noms de certains boss qui font encore écho au conte, comme le combat contre des monstres qui s'appellent Hansel et Gretel. Taro Yoko et le studio Cavia poussent donc la réflexion et décident du sort de Nier. Ce sera un spin-off du premier Drakengard, puisque le récit présentera les conséquences de la bataille finale de la cinquième fin optionnelle du jeu sur le monde parallèle dans lequel elle se déroulait. En réponse à la proposition d'un JRPG traditionnel, Square Enix demande une nouvelle fois à Taro Yoko de changer ses plans. Ils veulent que le créateur marche dans les pas de Kingdom Hearts et de Final Fantasy VII Crisis Core, qui avait démontré le grand potentiel commercial et critique des action RPG. Le développeur accepte la nouvelle orientation, même s'il ne se contente pas de livrer un action RPG classique. Avec Nier, il compte exploiter de nombreux genres du jeu vidéo. Il ne veut rien se refuser, et il ne veut surtout pas enfermer son projet dans une case bien définie. Il planifie ainsi de nombreuses séquences qui empruntent à d'autres typologies. On a du hack and slash à la Diablo, de la plateforme en vue de côté, du puzzle game et bien d'autres. Nier est l'occasion pour Square Enix de diversifier son catalogue avec un jeu d'aventure pour adultes. Exploiter ce registre qui lui fait alors cruellement défaut doit permettre à l'éditeur japonais d'attirer les joueurs qui désirent vivre des aventures plus sombres et moins naïves que par le passé. À ses débuts, le développement se passe très bien. On peut même jusqu'à dire que le partenariat entre Taro Yoko et les dirigeants de Square est ultra productif. Il y a une synergie totale entre les deux. Le créateur imagine de nombreux concepts ludiques et visuels novateurs qui exploite à la perfection le budget restreint alloué au développement. C'est un peu le paradoxe de l'histoire, parce que si Square croit beaucoup en le projet de Taro Yoko et veut vraiment le porter,
il n'est pas non plus question de mettre beaucoup trop d'argent dedans pour se protéger d'un éventuel flop. Nier devient donc porteur de nombreux espoirs pour un succès à l'international. Il n'est pas question de le garder cantonné au sein des frontières du Japon. Le projet change donc de dimension et les développeurs doivent expliquer le concept de leur jeu aux équipes occidentales de Square Enix. Et c'est là que ça va se compliquer un petit peu. Accompagné de son producteur, Taro Yoko présente le scénario de son titre qui met en avant un jeune homme cherchant à sauver sa sœur d'une maladie dans un monde en ruine. Le gros problème qui se pose, c'est que les dirigeants américains refroidissent son enthousiasme. L'idée de faire incarner au joueur un héros très fin, presque androgyne et d'à peine 20 ans ne passe pas du tout. Cela ne correspond pas aux standards américains et de manière générale aux standards occidentaux. La mauvaise réception de Raiden lors de la sortie de Metal Gear Solid 2 est encore très présente dans la tête des différents éditeurs qui sont de plus en plus frileux à l'idée de mettre en avant dans des jeux d'action des personnages masculins qui ne correspondent pas à ces critères de virilité. Le héros doit donc être modifié et le créateur de Drakengard se plaît une nouvelle fois aux demandes de son éditeur et se met à travailler sur la création d'une version alternative de son protagoniste. Pour un temps, il met donc le personnage du frère au placard, et l'histoire ne sera donc plus la sienne, mais celle d'un père taillé comme un roc, à la voix rauque et au visage buriné, qui fera tout pour sauver sa fille malade. Stay hidden. I'll be right back. Stay away from my daughter. Taro Yoko étant ce qu'il est, il refuse d'abdiquer et d'abandonner sa vision. La version du frère, qui avait été mis pour un temps au placard, n'y reste pas longtemps. Contre toute attente, il fournit à Square deux versions de son jeu. La première se nomme Nier Gestalt et raconte l'histoire du père. Elle sort au Japon uniquement sur Xbox 360. Après tout, vu que c'est une console américaine, il se dit que les critères de virilité américains ne seront appliqués que pour cette machine. L'autre mouture est intitulée Nier Replicant et constitue la version inaltérée de son récit. Elle est commercialisée uniquement au Japon, en exclusivité sur PlayStation 3. Le constructeur japonais a foi en la pertinence du récit initial et est intrigué par le potentiel ludique de ce jeu. Il décide donc de faire un geste envers le créateur de chez Square Enix. Pour les territoires européens et américains, le jeu est sobrement nommé Nier et ne contient que l'histoire du père. On ne s'embête pas avec les dénominations telles que Gestalt et Replicant, on va directement à l'essentiel. Ça peut paraître ultra anecdotique quand on le dit comme ça, mais la simple existence de la version Replicant grâce à PlayStation constitue une véritable victoire artistique pour le directeur créatif. C'est une chose suffisamment rare à souligner dans une industrie où les artistes sont souvent soumis aux financiers. Dans la majorité des cas, Taro Yoko aurait été convoqué dans le bureau de son éditeur. On lui aurait demandé de s'asseoir, de se taire, d'écouter et de ne surtout pas fournir deux versions de son jeu parce que ça coûte beaucoup trop d'argent et que c'est déraisonnable. Le fantasque créateur japonais et ses hommes réussissent à accoucher d'un jeu qui déborde d'audace en avril 2010. Il aura donc fallu quasiment 4 ans de travail pour arriver à la finalisation de ce projet. Nier ne convainc malheureusement pas la critique professionnelle, surtout en Occident. Les journalistes américains et européens, dans leur grande majorité, démolissent le jeu, trop habitués à la généralisation des standards des nouvelles grosses productions de l'ère HD. Le titre récolte difficilement un 68 sur 100 sur la base de données de Metacritic, donc quand on vous dit que le jeu était très mal reçu, ce n'est même pas de l'exagération de notre part. Son aspect technique est pointé du doigt, il fait notamment très pâle figure face à Final Fantasy XIII qui est sorti un mois plus tôt. Nier est décrit par le magazine PlayStation Magazine UK comme un jeu d'action qui ne répond pas aux critères techniques que les joueurs sont en droit d'attendre, balayant d'un revers de la main le fait qu'il s'agisse d'une petite production et certainement pas d'un triple A comme Final Fantasy ou Kingdom Hearts. Le jeu est ignoré par le public, dans un premier temps en tout cas, mais ça on va revenir dessus.
Le studio Cavia ne résiste pas à l'échec commercial et est dissous instantanément par Square Enix. Le père de Drakengard et de Nier se retrouve ainsi au point de départ et décide de partir de son côté en tant que travailleur libre. Travailler sur Nier lui a beaucoup coûté et il ne veut plus rester prisonnier sous la coupe d'un éditeur qui remet constamment en question la moindre de ses décisions artistiques. Toutefois, et c'est là que l'improbable se produit, cela n'empêche pas sa patte de s'implanter dans le cœur de nombreux joueurs. En fait, il se passe quelque chose d'assez rare dans le monde du jeu vidéo. En général, lorsqu'un jeu sort, il est considéré instantanément soit comme bon, soit comme mauvais. Mais il y a rarement de retour en arrière possible. En tout cas, pas sur un jeu qui a reçu des notes aussi catastrophiques de la part de la presse professionnelle. Mais là, il se trouve que son bébé reçoit un succès d'estime tardif, notamment grâce à la profondeur de son scénario, à la qualité de sa bande originale qui est une des meilleures de tous les temps, mais aussi grâce à ses nombreuses idées ludiques très ingénieuses. Alors que rien ne le prédestinait à cela, Nier devient un jeu à l'aura culte grâce au travail de propagande acharné des joueurs tombés sous le charme de l'aventure. On observe un vrai phénomène sur Internet, sur les différents forums tels que Reddit par exemple aux États-Unis ou jeuxvideo.com en France, avec des tas de personnes qui essayent d'inciter et d'encourager les gens à tenter l'expérience car ils ne le regretteront pas. L'effet boule de neige est sans équivoque et ne passe pas sous le radar du producteur Yosuke Saito, un autre fidèle partenaire de Taro Yoko. Il sent bien qu'il y a un potentiel à exploiter et que l'univers a encore des tas de choses à nous dire. Trying to find out how successful it's going to be, how well it's going to go down outside Japan. So if it does turn out to be a success, then we will look at the possibilities of spin-offs or other developments in the future. And unlike Final Fantasy, Nier has got really a number of really attractive characters, not just Nier himself, but other characters as well. So I think there is an ample possibility for a very successful series or spin-offs. Si Nier existe évidemment grâce à l'esprit torturé de Taro Yoko, la licence doit sa survie à l'acharnement de Yosuke Saito. Parce que mine de rien, malgré l'échec du premier opus, c'est lui qui ne cesse de revenir à la charge auprès des dirigeants de Square Enix. Ça nous montre que pour la création, mais surtout la pérennité d'une nouvelle licence, ça demande beaucoup de choses. Il faut le succès critique et commercial, mais surtout un très gros facteur chance. Dans un premier temps, Saito tente de faire porter Nier sur PlayStation Vita afin de lui donner un second souffle. L'idée, c'est que comme il s'agit d'une console portable, les limitations techniques de Nier seront plus facilement pardonnées par le public et par les critiques professionnelles. Malheureusement, il doit faire face au recul de l'éditeur japonais qui enchaîne les décombres commerciaux et critiques à cette époque et ne se sent donc pas de remettre un coup de projecteur sur un ancien échec majeur. La priorité n'est clairement pas là. Fort heureusement pour lui, et c'est là qu'on va aborder l'importance du fameux facteur chance, il suscite l'intérêt d'un potentiel partenaire de choix au sein de la direction de Square, qui n'est pas opposé à l'idée de développer une suite à Nier. Cette personne, c'est Yosuke Matsuda, qui est propulsé comme par hasard au poste de président de l'entreprise japonaise en avril 2013, soit quelques mois après leur discussion sur Nier. Dans le genre coup de chance, on fait pas franchement mieux. Les astres sont ainsi parfaitement alignés pour Saito qui compte désormais un allié puissant et surtout désireux de rendre son prestige à Square Enix, et mine de rien, ça leur fait un énorme point commun. Il arrive même à obtenir le retour de Taro Yoko au sein des troupes de l'éditeur. Toutefois, le développeur insiste lourdement pour garder son statut d'indépendant. Il veut pouvoir partir quand il le veut, si jamais le projet va dans une direction qui ne lui plaît pas. Le chantier de ce deuxième opus est donc lancé, et les deux hommes promettent d'éviter les erreurs du passé. Le premier Nier a été une très bonne leçon. Platinum Games est donc rapidement choisi comme studio pour accompagner Taro Yoko dans cette tâche herculéenne.
La première raison de cette alliance est la solide réputation du studio japonais pour sa capacité à créer des systèmes de combat époustouflants avec une fluidité technique à toute épreuve. Les équipes de Platinum ont le vent en poupe et surtout l'amour du public à cette époque grâce à des jeux comme Vanquish, Bayonetta ou encore Metal Gear Rising Revengeance. Protect the weak. I don't prey on them. L'autre raison, et c'est là qu'on se rend compte de l'impact énorme qu'a eu le premier Nier malgré son échec critique et commercial, c'est que le studio regorge de fans de ce premier jeu en fait, dont un certain Takahisa Tora qui travaillait sur son temps libre à l'ébauche d'un projet qui aurait largement pu se faire passer pour une suite spirituelle de ce premier jeu. La coïncidence est donc trop belle pour ne pas unir ses développeurs sous une seule et même bannière. Puis, d'un point de vue purement mercantile, associer le nom de Platinum au projet, c'est un peu la garantie d'attirer les regards de nombreux amateurs de jeux d'action qui n'auraient pas été intéressés par la suite d'une licence aussi confidentielle et obscure. Alors que Taro Yoko décide de rempiler avec Keiichi Okabe pour les compositions musicales, un dernier grand nom est ajouté au projet, Akihiko Yoshida. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un illustrateur de renom connu pour son travail sur des titres aussi cultes que certains jeux de la licence Final Fantasy ou encore Vagrant Story. Tous espèrent que ce renfort attirera également les fans de JRPG traditionnels. On a donc 5 noms réunis qui forment l'équipe de choc en charge de ce nouveau Nier. Au Japon, on va même jusqu'à parler de Dream Team, c'est dire tout l'espoir que suscite ce nouveau projet. La stratégie de Square Enix est payante, comme en témoigne l'engouement énorme lors de l'annonce de Nier Automata à l'E3 2015, en exclusivité temporaire sur PlayStation 4, il faut le rappeler. En fait, l'excitation elle est tellement forte que depuis sa sortie, on se rend compte que Automata totalise un peu plus de 7 millions d'exemplaires vendus. C'est juste énorme quand on connaît le budget du jeu, et surtout, ça constitue un bond incroyable quand on se rappelle que le premier épisode n'avait pas dépassé la barre du million de ventes. La réception critique est dithyrambique et lui attribue la note moyenne de 88 sur 100, en plus d'en faire un des candidats au titre de jeu de l'année face à des opposants prestigieux tels que Breath of the Wild, Super Mario Odyssey ou encore Xenoblade Chronicles 2. Taro Yoko devient alors un artiste reconnu et plébiscité par de nombreux joueurs. Il n'est plus le petit loser qui faisait des jeux un petit peu bizarres et complètement confidentiels qui passaient inaperçus. Le succès de Nier Automata marque le début de ce qu'on appelle la Nier Mania. La licence n'est plus une production de niche, mais un véritable phénomène culturel. Les goodies autour de cet univers s'arrachent et Square Enix lance un véritable business autour de la saga.
D'ailleurs, si on jette un coup d'œil au Square Enix Store, on peut se rendre compte que le merchandising autour de la licence n'a parfois rien à envier à ce qui peut se faire avec Final Fantasy ou Kingdom Hearts. Vêtements, jeux de cartes, accessoires de mode, vinyles, peluches, bijoux, boîtes à musique, recueil de nouvelles pour compléter le lore des jeux, concerts, rien n'échappe aux équipes marketing de l'éditeur. La bande originale de Nier est même utilisée pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Un crossover improbable entre Final Fantasy XIV et l'univers de Taro Yoko vient même alimenter le périple des fans du célèbre MMORPG de Square Enix. Du coup, la licence elle franchit même pleinement la frontière du cross-média avec la sortie en 2022 d'un premier manga qui retrace les événements de l'opération Pearl Harbor qui se déroule avant Automata et qui permet de comprendre un peu mieux la résistance des androïdes mais surtout le personnage de Eitu. Et puisqu'un manga ne suffit pas et qu'il faut toujours en faire plus, une série animée est également en cours de diffusion depuis janvier 2023. Si le succès de ce second jeu est clairement inespéré, bah malheureusement le premier titre il reste très confidentiel. De nombreux joueurs ne savent pas que les aventures de 2B et 9S sont la suite d'un jeu sorti au début des années 2010. Il faut dire que les 8000 ans qui séparent les deux récits ne rendent absolument pas nécessaire d'avoir arpenté de fond en comble la première histoire. Il est même très probable que le fait de séparer d'autant d'années les deux histoires soit clairement volontaire afin qu'elles puissent être vécues de manière totalement indépendante l'une de l'autre. Du coup, avec un tel essor de la popularité de la jeune licence, il n'est pas surprenant de voir Square Enix profiter de l'engouement général afin d'encourager Taro Yoko et Saito à dépoussiérer le grand frère d'Automata. Il y a clairement un filon à exploiter. Comme symbole du chemin parcouru par le développeur japonais et surtout par la respectabilité qu'il a acquise, l'opportunité de retravailler son jeu en prenant comme base la version Nier Replicant sortie uniquement sur PlayStation 3 au Japon lui est accordée. Pour la première fois, l'Occident va découvrir le récit original de l'œuvre. Il n'est plus question d'incarner un père virilisé à l'extrême, mais bien de suivre le récit de ce jeune frère aimant. En plus, on a là un travail qui est très riche, parce que même si ce n'est pas un remake, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus généreux qu'un remaster. Les graphismes ont été retravaillés, les couleurs sont beaucoup plus chaudes, les musiques ont également été réorchestrées, le gameplay a été dynamisé et amélioré, et il y a également eu un travail sur le doublage. Le personnage du frère n'ayant jamais été doublé et traduit en dehors des frontières du Japon, il a fallu faire appel à Ray Chase pour qu'il prête sa voix sur la version anglaise du jeu. Les autres personnages, qui étaient aussi bien présents dans la version Gestalt que dans la version réplicante, sont quant à eux doublés par les mêmes acteurs. On a donc le plaisir de pouvoir entendre à nouveau Laura Bailey dans une version retravaillée de son personnage de Kaine, mais toujours aussi vulgaire. On a également pas mal d'ajouts au niveau du lore et de l'histoire, mais l'apport le plus conséquent est le fameux parcours E qui n'était pas présent dans le jeu de base, mais uniquement dans sa version novelisée qui était sortie quelques temps après. Taro Yoko n'avait pas pu l'intégrer directement dans le jeu à l'époque à cause d'un manque de temps et d'argent. Du coup, en un sens, on a quelque chose qui se rapproche vraiment beaucoup plus du Director's Cut que du remaster. La victoire de Taro Yoko est donc totale. Il n'est plus ce jeune créatif lunaire contraint de jongler entre ses envies artistiques et les impératifs financiers de son éditeur. Il est désormais quelqu'un dont le nom fait écho dans l'industrie.
Mais plus que cela, et c'est ça que l'histoire retiendra, c'est qu'il a créé une licence qui résonne dans le cœur de millions de joueurs. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode. Nous vous disons à bientôt sur la chaîne de PlayStation Inside pour les deux prochains épisodes centrés sur Nier. En attendant, vous pouvez vous abonner, liker, et n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire si la vidéo vous a beaucoup plu. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de partager tout ça avec vous. À très bientôt.